bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2 avec l'épisode 31, installez-vous comme il se doit, n'oubliez pas un petit café, un petit thé, pourquoi pas un petit Coca-Cola zéro, faites attention, sans sucre c'est l'été quand même, n'abusez pas des bonnes choses, petit truc à manger pourquoi pas, mettez-vous dans la meilleure qualité possible et on est parti pour un épisode où je peux vous dire que l'épisode 30 ça a clairement swingé pour le coup. Et là on transporte cette dame qui s'est fait littéralement éclater le bras à coups de marteau. C'était pas très beau à voir, mais bon, on l'a vu, on n'avait pas le choix. De toute façon nous on était pendus à côté, hein, littéralement à côté d'une porte. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer. Quoi qu'il arrive, ça sent pas très très bon. Elle est plus capable de marcher, elle est plus capable de courir, de plus rien à faire. Vérifie qu'il n'y a pas d'infectés. Tu vas soulever là, ça une grande zone comme ça. Et c'est les autres. Oh. Ça ressemble à une arène. Alors ? Ça a la taille d'une arène. Ça a la couleur d'une arène. Ça s'appelle une arène. Je pense que c'est une arène. J'ai plus de cartouches, j'ai plus rien. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Je pense que clairement ça va swinguer. Et j'ai peur. Je vous le dis, j'ai pas honte, j'ai peur. La porte. Aide-moi à enlever ça. Comment t'y prendre? Ouais, juste. Découpe ça en bandes. Allonge-toi. Je vais bouger ton bras, ok? Si. T'es prête? Comment tu t'appelles? Abby. Merci de m'avoir libérée. Il y a beaucoup de passages dans le coin. Je sais qu'elle n'est pas en état, mais il faut que vous partiez avant demain. Ça va aller. C'est ça. Bon. On m'a juste demandé mon nom. Ça n'a pas été bien loin cette histoire, c'est pas grave. Ah ouais. Bon, bah on reprend exactement là où nous en étions. J'ai plus une balle de rien, c'est terrible. Ah si, quand même. Ça va, il me reste de quoi rafaler quand même des chicots. Par contre, plus d'armes de pistolet, plus de balles de pistolet, plus de balles de magnum, plus de balles de rien. C'est compliqué. Plus de balles de pompe aussi, et mon pompe, c'est quand même celui qui a les dégâts augmentés. Donc là, je vous cache pas que je suis un petit peu... un petit peu nu si je puis me permettre, donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Et j'ai pas trop confiance en plus. L'aquarium est juste là encore. Calme-toi. En fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est qu'on va arriver à l'aquarium le jour 2 et le jour 3 on n'était pas là, hein, on était déjà parti. Mais en tout cas, on a vécu de sacrés trucs, hein, mine de rien. Hein. Pendant que Ellie recherchait à tout prix Abby, Abby, elle s'est pas laissée, voyez ce que je veux dire, hein. Elle s'est pas engraissée sur un canapé, quoi. Ok. Allez, on fouille tout, on est reparti, on se re-retrouve tout seul, c'est dommage, on n'a pas fait plus longtemps avec eux.
Vous m'avez l'air bien sympa. C'est jeunes gens. Ok, ça on prend. Hop, nickel. Ça, on prend. Pouvoir améliorer des dégâts et ça, ça fait clairement plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait 97 dégâts à faire. Moi, pour l'instant, c'est que les dégâts qui m'importent. Si je peux one-shot à chaque fois, même désinfecter, cache pas que c'est mieux que rien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des trous encore? Non, elle va raccourcir le temps. Je connais bien ça. Non, pas du tout. Hop. Si, elle a fait des trous. Voilà, elle a fait des petits trous dans le canon. Donc normalement, ça va swinguer. Mais vu que j'ai pas de balle MDR, on n'est pas prêt de le voir, le résultat. Allez, on se passe. Ouais. Qu'est-ce qui se passe par ici? Bonjour, messieurs, dames. Ok, on va essayer de fouiller là-dedans. Hop, micro-cascade. Qu'est-ce que... Oh là là, parfait. Boy. Allez, on s'équipe. On va pouvoir avoir et le pompe, voilà. Étui d'armes longues. Nickel. Donc comme ça, on a et le pompe et l'autre arme. Impeccable. C'est vrai qu'on pouvait pas... c'est juste un putain de harnais, là. On pouvait pas trouver ça... On pouvait pas trouver ça ailleurs. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Très bien, bah strictement rien. Va falloir aller en haut, je pense, non? Non, regardez. Si... Ben oui, je connais bien, vous inquiétez pas. Qui même me suivent. Alors, je me pose une question pour ceux qui ont fait le jeu. Si vous passez à côté de quelque chose, comme là, par exemple, le harnais, vous pouvez le récupérer plus tard ou pas? Ou c'est comme le riz, c'est cuit? Dites-moi tout. C'est pas vrai que c'est des forceurs. Hein. Ok. Désolé, madame. Ah. Bien. Ok, à gauche. Toujours à gauche. Je peux peut-être esquiver le fight là, non? Non, ça me paraît trop simple. Ok. Oh. Ah oui, effectivement. Hop. C'est pas grave, c'est la rue, c'est pas grave. C'est pas grave, on l'a refait, j'étais pas satisfait, ils ont débarqué à 4, frérot, clairement j'étais pas prêt. Donc, on l'a refait, tant pis. En plus, ça va, je suis juste ici, je suis pas très très loin. On va essayer de faire celui-là, là-haut, là. Il y a eux, ouais. Allez, on va faire celui-là. Moyen. Oh, c'est pas... Ben ouais, mais... Frérot, ah, mais c'est des galeurs, ben ouais. Ben ouais, je me prends une armée de patates. Je mérite. Vas-y, fous-en-moi. Fous-en-moi plein la gueule. C'est mérité. C'est des putains de... Mais quelle bande d'abrutis. C'est les rôdeurs, là. C'est... Je croyais que c'était les claqueurs et pas du tout... Et les rôdeurs, on les entend pas, ils sont trop discrets. Quel enfer. Et ouais, quand on les regarde... Ça tombe pas, hein.
une balle dans les chicots, frérot, ça tombe pas. Ok. Désolé si je parle pas, hein, vous savez que c'est la concentration. Ah, tu me diras ce que t'en penses, bébé. Ah bah ça me fera toujours plaisir, ça. J'espère avoir 5 étoiles sur TripAdvisor. Hein. Histoire qu'il n'y ait pas de déçu dans cette histoire. Hein. On va faire ça. Ok. Scan. Rien pété. Abby, elle fait même plus d'efforts à ce niveau-là. Elle a bien raison. Putain, regardez-moi ça. C'est fini. Eh ben, félicitations. Bon. On a clairement été des monstres. Mais au moins, j'ai toujours la grande roue. Ouais, la grande roue est juste à côté. Hein. Peut-être bien arrivé plus tôt que prévu. Je suis très content. Voilà, je tenais à vous le dire. J'espère que vous êtes fiers de moi. On s'en est très bien sorti. C'est pas évident comme zone. Honnêtement, et c'était très sympa à faire. De nuit, c'est vrai que ça change l'ambiance. Oui, j'ai éteint la lumière, hein. Vous avez pas vu grand chose, on est bien d'accord, mais enfin. Abusez pas non plus, vous voyez autant que moi. Bon, ici, ça devrait être tout droit. Ok. Oh, oh, oh. Ok, on va fouiller derrière. Parce que regardez, il y a un corps qui dit corps, dit peut-être une lettre écrite. Ou une pièce. Et. Hop, ça c'est bon ça, on prend. Alabama, on adore. Alabama. Eh oui. Allez, go. On a notre petite pièce, ça fait plaisir. La tour est vraiment à côté pour le coup, et là je suis très content. Je suis très très content. Parce que si ça me demandait 3 jours cascade! Non, c'est pas grave. Allez! C'est pas grave! C'était un aller simple pour l'enfer. Où je suis là? N'oubliez pas que j'ai le vertige en fait. Ok. Je pense que c'est bon, c'est par ici. Abusez pas, on voit que dalle en plus. On est con là. J'aimerais bien trouver de quoi mettre des patates un peu. Quoi? Bon! On s'en rapproche. Oh, ça va vite, ça va vite. Quoi? C'est juste là. Ça va être chaud. Allez! Bon, c'est parti! Facile. Ça va qu'il y a des... Comment on appelle ça? Des piliers encore en bois là. Je pense que ça ralentit la flotte. Elle a pas trop vite. Ok. Bonjour messieurs dames. Ça on prend, évidemment. Ça on prend, évidemment. Et ça on prend, évidemment. On continue. On va peut-être aller fouiller par là-bas. Oh, oui. Oh, une flèche. Plein sommeil. Bon. Putain. Eh bien, mes amis, vous savez ce que ça veut dire. Incroyable de trouver des arcs à ce niveau-là. Alors, Will, je vais me coucher. Malgré la montée d'adrénaline suscitée par ce bordel, cette espèce de grippe me met KO. Laisse-moi dormir quelques heures que je puisse combattre cette saloperie. J'ai couché notre petite abeille. Je crois que toute cette violence l'a secouée pas mal. Elle m'a dit « Maman, pourquoi toi et papa vous avez poussé les gens ?» Lui ai dit que c'était la seule façon de monter à bord. Elle a fait « Oui » de la tête, mais je suis pas sûr qu'elle comprenne bien. J'aurais peut-être
dû dire autre chose, je ne sais pas. Enfin bref, si elle se réveille avant moi, tu n'as qu'à lui lire un de ses livres, ça la calme. J'espère que tu as pu tirer au clair cette histoire de ration. Je t'aime, Queen. Eh ben, Queen, hein, c'est reçu. Belle flèche dans les chicots. Oh là 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 là. Encore, il y a trop de choses. Ah ouais, les bruits dans les bateaux aussi. Oh là là, quel enfer. J'ai plus de balle de... Oh, j'ai plus de balle de pompe, quel dommage. Ok. Il manque l'arc là-dedans. Enfin. Ça va le faire. Et ben voilà. Ça va. Suffit de commander. Merci monsieur. Madame, monsieur, monsieur. Ah ouais, c'est stylé de ouf en vrai. Ah, c'est stylé de ouf. J'aime bien. Bon. J'aime bien. En plus, ils nous ont mis un petit, tu vois, ça tu sens, c'est juste le stand de tir. Ok, on récupère la flèche. Les carreaux d'arbalète sont solides et peuvent être récupérés plus fréquemment. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? Dis-moi tout, encore toi. Merci de nous avoir aidés avec le passager infecté. On a de la chance d'avoir quelqu'un comme vous à bord. Les gars de l'équipage sont nuls. Et je n'approuve pas que le capitaine garde les armes sous scellés. On ne peut pas continuer à ignorer que certains des passagers sont infectés. Les armes sont stockées sur le pont supérieur arrière. Le code est 907701, votre arbalète est là-bas, je vous fais confiance. Votre arbalète est là-bas, je vous fais confiance. Mais attends, je comprends pas, vu que j'ai trouvé l'arbalète. Donc le coffre est par ici, c'est ça? Votre arbalète est là-bas, je vous fais confiance. J'ai pas tout pigé. Quoi? Ah! Très bien. Très sympa. Très sympa. Eh ben, j'ai pas le choix que d'y aller. Allez, on se barre. Ok. Ça va qu'elle est constipée. Putain, l'ambiance est horrible comme ça, hein, dans les bateaux là. Eh bien. Qu'est-ce qui se passe par ici? Oh putain, je peux... Bah ouais. Vous allez rire, je peux pas crafter de flèche. Ben non, personne va rire en fait. Parce que c'est juste terrible. Ok. Compliqué. Désolé, ça nécessite complète concentration, vous l'aurez compris. On ne devient pas Harley Quinn par pur hasard. Alors, oh la Virginie, on adore la Virginie occidentale. C'est les meilleurs là-haut. Puis en plus, hé, ils font un porc effiloché, je vous raconte pas. Je sais pas, je dis au hasard. Aucune idée de ce qu'ils font là-bas, y'a rien à foutre. Ok.
Eh bien. Il y a de la joie, coucou les hirondelles. Oh. Ça régale, ça. Ça régale aussi. Ça régale aussi. On est tellement bien. Ça c'est du soin instantané, on prend. Essayer d'aller récupérer quand même comment s'appelle ma flèche. C'est grand ici hein, quand même hein. Dites-moi oui. Merci les gars. Merci la rue. Bon, on est bon. On va y arriver, vous inquiétez pas. Ok, c'est fait. C'est totalement fait. Et la roue est juste là. Par contre, j'aimerais bien ne pas passer par là parce qu'on ne peut pas, mais j'aimerais bien fouiller tout l'étage juste avant. Parce que je crois qu'il y a du monde là-haut. Allez, on va tout fouiller. Bon, c'est parti. Et j'ai pas envie de passer à côté d'un coffre. Ok. Rien du tout ici. On est d'accord, hein, on n'a pas vu de coffre. Hein. Alors attendez, bougez pas. Bougez pas sur un malentendu. Le pont supérieur arrière. Supérieur, c'est en haut. D'accord ? Et à l'arrière. Et là, on était devant. Donc, je pense que c'est tout en haut à l'autre bout, me semble. Mais après, n'étant pas conducteur de bateau, et encore moins fan de bateau, les gars, peut-être. Là, on est à l'arrière, là. Ça, c'est pas bon. Sunday. Personne déconner. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il y en a pas. Et ben voilà. On y a notre coffre. J'avais des petits doutes. Mais le doute n'existe pas. Pas de place au doute ici. Bon! Il y avait un 70 dans l'histoire. 90-77-01. Voilà. 90-77-01, ça sera plus facile. Allez, c'est parti. 90-77-01. Je sais pas du tout ce qu'il va y avoir dedans. De toute évidence, pas l'arbalète, puisque je l'ai déjà. Et c'est quand même... Oh non, dernier... Non, les gars, c'est trop. Non, c'est trop. J'ai tous les manuels. Ah, j'ai tous les manuels. Ah. Ok. Par contre, on va vraiment pouvoir se concentrer un tout petit peu dessus. Alors, mode écoute, vitesse de déplacement augmentée, élan après avoir tué un ennemi d'une attaque documentaliste. Ça, c'est beau, ça. Une attaque, votre prochain, des attaques éclairs infligent des lourds dégâts au corps à corps. Confection de cartouches incendiaires. Confectionner deux cartouches incendiaires pour le fusil à pompe. Et enflamme les ennemis dans un cône étendu. Ok, confection rapide par contre. On va faire ça.
Munitions de OFEC, confectionner deux munitions standards. Oh, c'est pas mal ça. Non. Ça, pour confectionner beaucoup plus vite, c'est pas mal. Silencieux amélioré, putain, c'est pas mal non plus. Mais ça, là, confectionner, c'est pas mal. Ok. Confectionne des kits médicaux plus efficaces. Et ben, on fera ça. Allez, c'est bon. Oh oui, 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 regardez. Regardez-moi ça. D'accord. Très bien. Bon, je voulais vous proposer du spectacle. J'ai été éclaté sa race. J'étais grave fier de vous proposer du spectacle. Je me suis dit, vas-y, d'ici, je l'ai tranquille et tout. Mes couilles, hein. Mes putains de flèches. Ça donne blinde ces conneries. C'est des flèches de décathlon, les gars. Fait peur de ouf, hein. Ok. On est bon. C'est fini. On est bon. Ouais. C'est terminé. C'est fini. Putain, elles sont parties où mes flèches, sans déconner, quoi. Ah ouais, mais à vouloir faire le malin, qui fait le malin. Tombe dans le ravin. Elles sont où mes putains de flèches? Allez les gars. Quel enfer. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça me fait chier, je vous avoue. Ça me dégoûte en vrai. Mais c'est pas grave. C'est la vie que j'ai choisi de mener. Une vie sans flèche. Hop. Allez, ça, ça va régaler. Ici, on n'a rien. On va faire après le petit couloir XT, ça peut le faire. Ok, on peut passer là aussi. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Allez, on peut se casser. Bien, bien, bien. Et eh ben c'est beau ça, des petits carreaux, regardez, de la vie. Très sympa, très cosy. C'est le capitaine de bord, c'est bon ça. Départ de San Diego, cap sur Vancouver en 2013. Hein, le passager, ok, a disparu, très bien.
N'hésitez pas à mettre pause. Effet de Seattle, comme je le pensais, il s'agissait de... Ok. Désinfecter derrière la porte. Est-ce qu'elle avait raison? Quel merdier. Ok. Mettez pause si vous voulez lire convenablement ce petit fichier et savoir ce qui s'est passé autour de ce bateau. Ok. On va aller fouiller là-haut. 10 contre 1, il y a peut-être une pièce. Écoutez-moi un petit peu quand je vous parle. Luta! Oh, j'adore ça en plus. Allez, go. Oh, c'est parti! Hop, un petit saut. Une pièce 4! Non. J'ai failli aller en enfer. Hein. Vous l'avez vu, mais vous avez rien vu. Ah non, sérieux, on a juste fait le tour là? On en est là? Ok. Ce silence, les amis. Autant s'équiper convenablement. Il faut que j'essaie le niveau supérieur. Merci, t'es pas obligé de me dire ma grande. J'avais saisi. Pas évident, hein? Pas évident. Tout ça pour passer par le bateau. Ils sont malins ceux-là. Bon, ça c'est de là où je viens en vrai. Je pense qu'il y a rien du tout. Là, ouais, c'est totalement. Je reconnais ce véhicule. Ce véhicule de type motorisé. Mais pas du tout, qu'est-ce que je raconte? Je dis que de la merde, c'est impressionnant. Y'a rien, personne. Qu'est-ce que c'est? Non, on est déjà l'autre bout. Très... En vrai. Je vais faire un petit tour derrière. Et vous savez quoi, on a le temps d'aimer. On fait un peu de sup. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour nous. On va aller voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Et on va pouvoir tracer. Il se passe strictement rien, putain de merde. Ah, regardez. Voyez. Ah, regardez. Une bouteille. Voyez. Pas déçu. Si, je suis totalement déçu. Et c'est tout. Bon. Eh bien, écoutez, mes amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cet épisode 31 vous a plu. Moi, en tout cas, à titre personnel, il m'a plu. On se retrouve très vite pour la suite de nos événements. C'est juste là-bas. Il n'y a plus qu'à tomber. Bisous! Portez-vous bien, faites attention à vous. À bientôt pour l'épisode 32. Ciao, ciao.